Voilà. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Voilà un autre élément, un autre thème pour ce samedi 17 décembre 2022, cher compatriote guinéen. J'ai déjà mon titre d'information, mes thèmes d'information déjà annoncés sur mon profil Facebook, cher compatriote guinéen. Alors, le premier élément, c'est en rapport avec, disons, le procès, disons, en cours, procès sur disons, le massacre du 28 septembre, vous le savez. Alors, Dadis Camara, alors, le premier thème, c'est sur Dadis Camara, qui évoque, en fait, un complot. Donc, derrière le massacre du 28 septembre, Dadis Camara, vous le savez, il parle de complot, complot qui, en fait, avait pour but de le tuer. N'est-ce pas? Alors, je vais parler également de ce détail. C'est surprenant pour moi. Je dis même c'est une sorte de subterfuge de la part d'Addis Camara en s'écartant de l'essentiel. Je vais détailler tout à l'heure, cher compatriote guinéen. Mais c'est bizarre. Alors, le deuxième élément, je vais parler également, en fait, d'un fait qui s'est déroulé en 2010. Il est question donc des élections présidentielles en 2010, des fraudes électorales massives, historiques, je vous l'ai dit. Là, nous le savons tous. Et tout le monde le sait. Le curieux ici, c'est que tout le monde sait qu'effectivement, il y a eu fraude massive. Des fraudes, je dirais, ostensibles, publiques, qui, en fait, on ne les cachait même pas. N'est-ce pas? Alors, le deuxième élément, je vais parler donc de ça. Donc, je dis bien, il y a eu fraude massive historique, n'est-ce pas? Alors, pour pouvoir purifier notre République, parce que maintenant nous sommes dans une transition où on parle de refonder l'État, les institutions de l'État, c'est-à-dire qu'après la transition, normalement, avec, disons, tout ce qui sera fait comme travail de refonder, on suppose qu'après cela, alors tout est pur, c'est-à-dire on a une structure politique solide et consolidée, même si moi je suis pessimiste là-dessus, n'est-ce pas? Mais supposons, disons le principe, n'est-ce pas? Après cette transition, on aura une structure politique solide, donc pure, et ce qui va finalement nous permettre également de démarrer réellement notre développement, cher compatriote guinéen. Et pour cela, pour que nous puissions avoir cette structure pure demain, n'est-ce pas? Alors, séparée des impuretés, alors il faut réellement travailler pendant cette transition, et effectivement, c'est-à-dire on a un élément super important qui n'est pas bien pour notre public, hein, c'est vrai. En 2010, il y a eu des élections présidentielles avec des fraudes macabres, extraordinaires. Alors, je me dis, il faut normalement un procès judiciaire là-dessus pour situer les responsabilités, vous comprenez, pour que là, la vérité également éclate. Et ça nous permettra effectivement de bien sonder, ou de toute façon, de bien qualifier notre structure politique qui viendra après, en fait, la transition. N'est-ce pas, cher compatriote guinéen? Très bien. Alors, je vais détailler tout à l'heure rapidement. Nabil El Camara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen, il est question donc des analyses politiques objectives. N'est-ce pas? Très bien. Donc, le premier élément, nous suivons tous ce procès, le procès donc sur le massacre du 28 septembre, où il est question effectivement, et parce que pendant ce massacre, il y a eu plus de 150 morts avec beaucoup de violations, des femmes violées, franchement de la véritable barbarie. N'est-ce pas? Alors, le procès va essayer donc faire en sorte que, en fait, les auteurs soient situés. Quels sont ces gens qui sont partis au stade, qui ont massacré les citoyens innocents, hein, ou qui sont ces gens qui ont donné l'ordre d'aller donc au stade du 28 septembre, n'est-ce pas? Massacrer ce jour-là. Je crois que c'est ça, en fait, deux questions fondamentales. Qui, en fait, a tué ou qui a donné l'ordre donc d'aller tuer, n'est-ce pas? Très bien. Alors, le procès continue avec pas mal de buzz là-dessus, c'est vrai. Mais c'est important qu'il y ait des opinions partagées par-ci, par-là, parce que du moment que le procès est en fait public, ouais, ça passe à la télévision, à travers les réseaux sociaux, même en direct. Donc, il est normal que les citoyens émettent en fait des opinions, disons différentes, disons des unes des autres. Ça, c'est logique. N'est-ce pas? Et très bien. De toute façon, nous nous donnons des opinions, effectivement, mais le procès, le tribunal en question, arrive à un moment donné, dira effectivement ce qui sera retenu comme verdict réel. N'est-ce pas? Très bien, cher compatriote guinéen. Alors, pendant ce procès, on a Dadis Camara qui va s'argumenter. C'est normal qu'on s'argumente quand on est accusé. Il est normal. Donc, on n'est pas contre qu'il a dû avec des argumentations avec son avocat.
On a dit la même chose à Toumba aussi, qui vient avec des argumentations, n'est-ce pas, avec son avocat. Et bien voilà, nous faisons des commentaires là-dessus. Très bien. Alors, mais en tant qu'analyste, si je dois analyser quelque chose sur les argumentations d'Addis Camara, je suis perplexe, c'est vrai. Parce que d'Addis Camara, lui, il dit que dès le massacre du 28 septembre, qu'il y a un complot, n'est-ce pas, un complot qui consistait à l'éliminer, à le tuer. C'est très important, cher Contre-Guinéen. Alors, mais là, moi, je ne peux pas le croire. Pour moi, c'est un subterfuge de sa part, un échappatoire où il est question de s'éloigner de l'essentiel. N'est-ce pas? Alors, il parle de complot, on parle de Sékouba Konaté, on parle de Alpha Condé, on parle de pas mal de gens, Toumba inclus. Vous comprenez? Alors, que c'est un complot. Alors, mais moi, ce que je vais dire là-dessus, parce que je suis en train d'analyser objectivement. D'abord, je dis, je ne vais pas mettre d'abord à la place de l'analyse, n'est-ce pas? Donc, avec cette accusation qu'il y a eu un complot, effectivement. Mais ce que moi je vais dire d'abord, pour tous ceux qui ont vu, nous avons tous vu comment Addis Camara, en fait, gouvernait quand il était là. N'est-ce pas? On a tous vu. Ce monsieur n'avait de respect pour personne. Personne. Il insultait. C'était une sorte de délire. On a comme une sorte de tueur en série. Un psychopathe, disons, au pouvoir. N'est-ce pas? Dali, c'était cela. Écoutez, je n'ai rien contre Dalis Camara, je dis, j'analyse objectivement. Hier, dans mon direct, j'avais un thème hier dans mon direct, je disais qu'il faut juger le régime d'Dalis Camara, le juger, situer les responsabilités, mais condamner Dalis Camara, le condamner, je ne suis pas d'accord. N'est-ce pas? La condamnation, dans ce cas, s'il faut condamner ce camarade, il faut revoir également tout le temps d'Alpha Condé, qui a fait pire. Et maintenant avec Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Alors, je suis sur Addis Camara, alors j'analyse objectivement. Je dis bien, Addis Camara parle de complot, n'est-ce pas? Il parle de complot. Alors, moi, je me dis, avec tout ce comportement que nous avons contre Addis Camara, franchement, comme un psychopathe, vous savez la nature d'un psychopathe, des gens très dangereux, n'est-ce pas? Et heureusement, avec ce procès, on a pu en fait connaître certaines facettes. C'était des barbares au pouvoir, de vrais barbares au pouvoir. On a vu comment ça se passait, de la pagaille, tout simplement. Très bien. Alors, moi, je me dis, avec ce comportement que Dalis avait, comment se fait-il? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un complot contre ce monsieur? Comment se fait-il? Comment est-ce possible que certaines gens, certaines personnes ne se retrouvent pas quelque part pour dire, mais écoutez, il faut l'éliminer, parce que c'est un danger. Soit un coup d'État, n'est-ce pas, contre lui, l'éliminer physiquement. N'est-ce pas? Une rébellion, quelque chose comme ça, ou à travers un complot. Et quand on parle de coup d'État, c'est qu'il y a un complot quelque part. C'est pas étonnant que, je suppose, supposons que c'est vrai ce que Dalis dit, qu'il y avait un complot pour l'assassiner. Mais c'est logique, Dalis Camara. C'est logique. Vous êtes psychopathe, vous étiez, vous gouverniez de manière, en fait, disons, c'est comme si vous étiez un psychopathe. Un homme anormal. Alors, un complot contre vous, c'est pas étonnant. C'est vrai. C'est pas étonnant. N'est-ce pas? Alors, parce qu'il prend ça comme argumentation. Mais oui, parce que vous n'aviez pas ce comportement de personne normale. Maintenant, que ce complot, je suppose que Dalis, la vérité, qu'il y a un complot. Maintenant, ce complot écarte Dalis Camara et ce complot n'arrive pas effectivement à rectifier le tir, comme nous avons constaté la suite, Alpha Condé qui était là, qui n'a pas pu rectifier le tir. Ça, c'est autre chose. Mais le comportement d'Addis Camara pouvait tout simplement motiver, tout simplement, des réactions, d'autres réactions. D'ailleurs, un coup d'État militaire ou des complots pour l'éliminer. Ce n'est pas étonnant, c'est logique. N'est-ce pas? Mais c'est vrai, Alpha Condé est arrivé, il n'a pas pu rectifier les tirs, il s'est comporté, disons, de manière barbare. Or, moi, je fais partie de ces gens qui ont demandé qu'il faut l'éliminer physiquement, demander un coup d'État militaire. Mais c'est un complot aussi, l'éliminer. Parce que du moment que Alpha Condé n'est plus la personne normale, un psychopathe, un danger pour la République. N'est-ce pas? Qui massacrait les citoyens juste pour satisfaire ses propres désidératas. Alors, un complot contre Alpha Condé, mais écoutez, c'est normal. Un coup d'État contre Alpha Condé, mais c'est normal. J'ai pas mal de temps parlé de coup d'État contre Alpha Condé, à la manière même de Bahiré Mahina Sara. N'est-ce pas? Du moment que ce monsieur est un danger pour la société.
Et aujourd'hui, je parle même de j'ai le même comportement face à Amadi Doumbouya, du moment que Amadi Doumbouya, parce que tout porte à croire, ça se voit sur le terrain, qu'il ne sera pas différent, en fait, de ses prédécesseurs. C'est un monsieur qui se bat aujourd'hui pour un intérêt personnel. On verra la suite. Et c'est là qu'il va perdre. Et là, aujourd'hui, je demande que, effectivement, qu'il soit aussi éliminé. Je demande un coup d'état militaire. N'est-ce pas? À la Bayeri Maïnassara, je le demande. Un complot, donc. C'est pas étonnant du moment que le président qui est là a un comportement anormal, vous comprenez, qui préfère massacrer les citoyens, tuer pour, effectivement, satisfaire ses besoins, en fait, personnels. Et là, un complot, ce n'est pas étonnant. Un coup d'État, ce n'est pas étonnant. Une action, en fait, disons, à la Bayeri Maïnassara, ce n'est pas étonnant. S'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors ça, je m'adresse à Daris Camara quand il parle de complot. Il donne tellement d'importance à cela. Mais oui, Daris Camara, s'il y a un complot, écoutez, c'était bien parce que vous n'aviez pas ce comportement anormal. N'est-ce pas? Très bien. Alors, maintenant, moi, je vais dire à Daris Camara qu'effectivement, il n'y avait pas un complot. Maintenant, ça, c'est votre version. Moi, il n'y avait pas un complot. Disons, il y a un complot. D'accord, qu'il y a un complot. Mais la question ici, c'est au stade du 28 septembre. Il y a eu massacre. Des militaires sont allés tuer, tirer des balles sur les gens. Et des femmes ont été, en fait, déportées au camp Al-Fayya, où elles ont été violées, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que cela a à voir avec le complot? Supposons qu'il y ait complot, Alpha Condé, Sékouba qu'on est en temps. Alpha Condé était-il au stade? Sékouba était-il au stade? Les gens qui sont allés au stade pour mettre de l'ordre, c'était des gens d'Addis Camara. Hein, la police, la gendarmerie, et on parle d'autres, on le saura avec effectivement le procès. N'est-ce pas? Alors qu'on ne trouve pas des subterfuges, des moyens échappatoires, n'est-ce pas? Al-Daris Kamara doit se centrer, la question est là, qui a tiré, qui a tué les gens au stade? C'est Daris qui était au pouvoir, il le sait très bien. Hein, ces hommes étaient là, on parle de pas mal de gens qui étaient au pouvoir, de son pouvoir, qui étaient là au stade. N'est-ce pas? Alors qu'on parle de complot, ok, complot cherchant à salir Daris Camara, j'accepte ça aussi, un complot pour le salir, un complot pour le mettre dans une situation inconfortable face à la communauté internationale. D'accord, ok, mais la question ici, au stade, la réaction de Daris, supposons que oui, c'est vrai ce complot, n'est-ce pas, pour le salir. Maintenant, sa réaction face à ce complot, n'est-ce pas? Ou à ces rumeurs de complot. C'est ça, sa réaction. Quelle a été sa réaction? Fallait-il massacrer les gens au stade pour intimider les comploteurs ou quoi? Mais écoutez, Daris Camara, la question ici, qui a tiré ce jour-là au stade? Quels sont ces militaires qui sont allés massacrer les citoyens au stade? Chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas? Parce que c'est inexplicable. Quand on ne parle pas de complot, Alpha Condé et tant et autres, vous comprenez? D'accord, je suis entièrement d'accord que ces gens préparent un complot, vous comprenez, pour salir, disons, son pouvoir, une manière de le faire dégringoler après, d'accord. Mais quel rapport, vous comprenez, entre ce complot et ce qui s'est passé au stade? Parce que les militaires qui sont allés là, alors sous la commande de Daris Camara. Et je me rappelle même en ce temps, quand il y a eu le jour même en fait du massacre sur les antennes de la Radio France, on a entendu Daris Camara défendre, s'il vous plaît. Et il a dit, mais écoutez, c'est la faute des manifestants qui, en fait, dans leur parcours, sont allés saccager un commissariat et prendre les armes. Pendant qu'on parlait des massacres au stade, alors c'était son argumentation. Vous comprenez? Une façon, effectivement, de... Voilà, il défend, en fait, le massacre. S'il y a eu massacre, vous comprenez, c'est sous-entendu, c'est-à-dire parce que les manifestants sont passés par le commissariat, ils ont saccagé, ils ont pris les armes. Et la réaction des militaires, ensuite, au stade. Le procès parlera de tout ça, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Alors, pour moi, c'est ridicule. Daris, c'est pas sérieux de sa part qu'il parle de complot. Alors, il se voit grandi dans ça en parlant de complot. D'accord, il y a eu complot. Qu'il y ait complot ou non, Daris Camara, que ce soit cela vrai ou non, vous comprenez? Mais c'est normal, Daris Camara, un complot contre vous parce que vous étiez un psychopathe, cher compatriote guinéen. Voilà, ça c'était sur le premier point. Le deuxième point, cher compatriote guinéen, il est question donc... Le deuxième thème que je vais maintenant analyser.
Alors, il est question donc de ces fraudes massives que nous connaissons tous, des massives fraudes massives, fraudes électorales massives, historiques. C'était en 2010, pendant les élections présidentielles. Vous le savez, n'est-ce pas? On avait des candidats sérieux. Il y avait Cédric Diallo, Sidy Touré, Alpha Condé, pour ne pas parler seulement que ces trois. N'est-ce pas? Alors, élection présidentielle, nous savons tous, et tout le monde le sait, même ceux-là qui, en fait, ont voté pour Alpha Condé, ont aidé Alpha Condé à comploter, à frauder, tous disent aujourd'hui qu'effectivement, voilà, eh bien, écoutez, il y a eu fraude. On a tenté d'empêcher, tout simplement, en fait, disons, Cédric Diallo de gagner le pouvoir. N'est-ce pas? Et on a encore les mêmes personnes qui ont aidé Alpha Condé. Et par exemple, on a cet audio qui passe de Kiri Bangoura, très clairement, au Sekouba Konaté, qui ils expliquent très clairement. On a eu d'autres témoignages d'Addis Camara pendant ce procès. Mais très clairement, ça a été fait, en fait, volontairement. Il faut écarter ce dialogue. Et le comportement aussi ethnocentriste, c'est-à-dire un peuple ne doit pas être là. N'est-ce pas? Alors, comment c'est clair? Tout le monde sait. C'est unanime là-dessus, la vérité, qu'il y a eu fraude, qu'on a écarté Sello, qu'on a écarté Sidy Touré, on a imposé Alpha Condé, et aujourd'hui, on est dans une transition qui doit refonder tout. C'est-à-dire que, écoutez, on doit avoir une structure politique solide. Cette structure politique solide, c'est notre âme, et notre âme, elle doit être propre, propre. Après la transition, on se dit, oui, maintenant, on ne parlera plus de politique dans le sens pur du terme. Il faut qu'on y arrive, hein. Écoutez, maintenant, il faut également essayer d'éclairer ou d'éclaircir tout. Les fraudes électorales massives en 2010, il faut un procès judiciaire. Si nous sommes sérieux, si nous sommes vraiment sérieux. Parce que regardez, si nous laissons ça, ces fraudes massives, on n'en parle pas, on va aller devant. On en parlera toujours, s'il vous plaît. Notre République n'est pas pure, elle n'est pas propre, elle est sale, s'il vous plaît. La structure politique qu'on aura, elle est sale. Je ne dis pas qu'avec ce procès judiciaire qu'il faut faire revenir ce dernier dialogue au pouvoir. Non, mais écoutez, la vérité, les gens qui ont comploté, les gens qui ont fraudé, les gens qui ont mis Alpha Condé au pouvoir, qui ont, parce que, écoutez, ça a demandé beaucoup de coûts, hein, financiers aussi, beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Des crimes, des gens ont été... Plusieurs personnes ont été massacrées à Cancan. En fait, je prends par exemple les membres, plutôt les partisans de l'UFDG à Cancan, massacrés par-ci, par-là. N'est-ce pas? Et avec ce complot, ce problème d'eau empoisonnée, tout ça, il faut un procès judiciaire là-dessus. N'est-ce pas? Établir les vérités. Les coupables doivent être sanctionnés. Chers compatriotes, je dis bien, si nous voulons une véritable structure politique après, propre, sans défaut, ni rien. N'est-ce pas, cher Comte-Guinéen? Voilà, c'était tout, Nabil Camara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne journée, bon week-end.